Le Moxie Paris-Bastille a ouvert ses portes en janvier 2019. C'était le premier hôtel Moxie à ouvrir en France. C'est un hôtel qui est extrêmement bien situé à deux pas de la place de la Bastille et de la place des Vosges, tout en restant dans un quartier résidentiel. L'hôtel a 185 chambres. Les chambres sont petites mais extrêmement bien agencées. Et puis, tout se joue autour du lobby, puisque c'est le concept Moxie. Donc, il s'articule sous trois espaces. La bibliothèque, idéale pour le coworking. Un espace de détente pour se relaxer. Et puis, bien entendu, le bar, qui se veut animé. On organise des soirées, des after-work, autour d'une large carte de cocktails. Donc, pour nos clients, bien entendu, mais aussi pour les Parisiens. L'objectif de la marque était de changer de l'hôtellerie traditionnelle et de s'adresser à une cible changeante que sont les millénials. Alors bien entendu, nous n'avons pas que des millénials à l'hôtel, mais l'idée de ce concept, c'est de travailler, de s'amuser, d'interagir dans un contexte fun. Et c'est tout cela, le concept Moxie. Faire partie d'un groupe, c'est une force et encore plus à l'heure actuelle. Marriott, avant, pendant et encore actuellement, nous aide au quotidien à travers de standards, de nouvelles procédures à mettre en place pour continuer à atteindre l'exigence des clients et principalement au niveau de tout ce qui est propreté et désinfection qui sont à l'ordre du jour principalement durant cette crise sanitaire. Les clients restent bien entendu notre priorité, ça l'était avant et ça l'est encore maintenant. Nous sommes tous focalisés à répondre aux exigences des clients et à ce que nos clients soient satisfaits quand ils repartent de chez nous. Bien entendu, nos concepts ont évolué avec la crise, mais notre priorité numéro une, c'est en effet de s'assurer que les clients repartent avec le smile.